Bonjour, on est le 19 octobre 2008 et le blockhaus que j'ai filmé tout à l'heure est à Manspach, petit village à côté de Anne-Marie où je me trouve dans cette direction. Et à présent, je suis au cimetière de Anne-Marie dans la partie réservée aux militaires morts pour la France. Et comme vous pouvez voir sur quelques dates, par exemple Barthélemy Claude, pour n'en citer qu'un, mort pour la France. C'est le 16-06-1917. Tout ça, c'est bien triste. Et la guerre, c'est la guerre. Alors, je suis allé me promener un peu dans les environs pour essayer de trouver d'autres blocs parce que les jeunes du village m'ont indiqué un autre blockhaus en forêt. Mais malheureusement, je ne peux pas m'y rendre maintenant en voiture car les chemins sont boueux. Sachant qu'il est presque 19h, je m'y rendrai une autre fois. Donc, j'en profite pour filmer le cimetière militaire de Anne-Marie. Et ici, il y a un ossuaire. Alors, il y est écrit, malheureusement sans contre-jour. On a du mal à lire. Il faudrait pratiquement redorer les lettres parce que c'est pas petit à petit. Alors regardez depuis ici le nom de croix. Uniquement pour la ville de Anne-Marie, c'est très impressionnant. Comme vous pouvez le voir, c'est la métropole nationale. Alors, filmer les blockhaus. C'est une chose, mais il faut pas oublier que dedans il y avait des hommes. Alors vous voyez, Anne-Marie, nécropole nationale. Avec un résumé. Première armée française commandée par le général Delattre de Tassigny, forgée en Afrique et en Italie, débarque en Provence, grossit des forces françaises de l'intérieur, a libéré Anne-Marie le 27-11-1944 dans sa marche victorieuse vers le Rhin et le Danube. C'est une vue générale sur le cimetière. De Anne-Marie.